très excitée de vous retrouver dans cette vidéo, dans ce vlog. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de vlog déjà. Ça fait très longtemps que je sentais que ça me faisait plus du tout vibrer d'être sur YouTube, d'être en mode face cam, assise, telle une enseignante en train de vous dire trois clés pour... voilà. Et je me suis dit comment, donc j'ai vraiment laissé mûrir un petit peu tout ça. Et je me suis dit comment est-ce que je peux revenir ici sur YouTube, m'éclater, vous partager de la valeur aussi et en même temps infuser, insérer de la poésie, du mouvement dans tout ça. Et donc je me suis dit mais rien de mieux que de vraiment revenir sur des vidéos beaucoup plus spontanées sous forme de vlog. Donc ça va être des vidéos qui vont être assez longues je crois. Mais il n'y en aura qu'une seule par mois parce que voilà, je préfère miser sur la qualité plutôt que la quantité et je me réjouis vraiment de voilà, prendre ma cam de manière très spontanée au moment où je sens que c'est juste pour moi. Et donc voilà, donc là, ici, première vidéo, enfin premier vlog en tout cas, on est le 3 juillet. On est le 3 juillet, Naël fait sa sieste, donc je profite là pour un petit peu tourner des vidéos, être un petit peu dans la création aussi. Et voilà, j'ai tellement de choses à vous dire. Je pense que ce mois-ci, on verra un petit peu les différents sujets qui vont émerger. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous embarquer ici aussi, dans mon quotidien aussi. On va parler évidemment de mouvement, on va parler de tout ça. Mais on va parler des émotions, on va parler aussi de simplement ma vie de maman aussi, parce que je pense que ça fait partie complètement intégrante de moi-même aussi, de l'entrepreneuriat. Bref, ça va être tous ces sujets-là qui vont venir un petit peu emprunter, imprimer. Non, c'est pas imprimer, c'est pas que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire comme mot? Je sais plus. En tout cas, je vois, vous savez, la tache d'aquarelle qui se répand. En tout cas, voilà, imbibé. Voilà, c'est ça. Ces vidéos, ces vlogs. Et donc, je me réjouis de partager tout ça avec vous. Alors, clairement, je vais probablement dans cette vidéo vous parler un petit peu de mon organisation. Alors, c'est clair que ça va changer parce que là, j'ai été pendant un mois... plus d'un mois, toute seule à garder Naël à 100%, enfin à temps plein. Là, on a trouvé un moyen de garde et du coup, on va commencer cette semaine normalement l'adaptation en douceur, surtout qu'il a 8 mois, donc comment dire qu'on est en plein dans la période d'anxiété, d'angoisse un petit peu, de la séparation aussi. Donc voilà, donc mon organisation pour le moment est un peu particulière parce que je bosse quand j'ai le temps. Donc c'est-à-dire que je bosse très peu en fait, clairement, depuis un mois. Et ce qui est assez... Bon, alors, je ne fais pas autant que ce que je faisais avant, on est bien d'accord. Mais ce qui est assez dingue, c'est que j'arrive malgré tout à faire ce que j'ai envie de faire parce que mon temps est beaucoup plus rétréci, enfin beaucoup plus court. Et en même temps, je suis beaucoup plus focus. Il y a vraiment, en fait, ça m'a invité, ça m'a un petit peu forcé même à faire un nettoyage et à m'organiser différemment aussi. Dans ce vlog, je pense que je prendrai un moment pour vous expliquer vraiment comment je m'organise aussi. Je pense que là, ça va changer un petit peu du coup comme il va être... il sera 3 jours par semaine à la crèche. Je pense que ça va un petit peu modifier, mais ça m'a demandé de vraiment me faire une organisation en béton, tout en laissant quand même aussi, le flow, laisser l'espace toujours à ce flow créatif et à ce flow de la vie, parce que c'est très important pour moi, vous le savez aussi. Donc voilà, alors je vous emmène parce que quand même, pour le moment, je suis principalement en fait en train de préparer... la restructuration des formations Flow Energy et Bloom Dance. Donc ça va, il va y avoir pas mal de changements pour 2024. Et donc là, je suis en train de... Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, je suis en train d'étudier par moi-même, beaucoup. J'ai fait plein de recherches. C'est aussi une partie des formations que j'ai, tout ça. J'ai tout imprimé, j'ai tout... je souligne, j'étudie. Là, il y a pas mal... Alors, 3 bouquins que je peux vraiment vous conseiller ici. Donc, il y a Nervac de Ludovic Leroux, qui est plutôt pas mal. On a alors celui-ci, j'ai pas du tout fini parce que pour moi, il demande une intégration. C'est vraiment hyper méga intense en fait, autour du trauma, mais c'est Peter Levine. Et franchement, c'est une référence hein, vraiment en la matière. Donc voilà, mais ça demande de. Je pense que je vais le lire plusieurs fois tranquillement. Et celui-ci, d'Ebdana, qui est vraiment aussi une pointure dans tout ce qui est théorie polyvagale, il est vraiment, vraiment top, je trouve, avec pas mal de pratiques aussi d'exercices et c'est vraiment accessible également. Donc voilà, et donc je continue mes lectures tranquillement pour plonger un peu plus en profondeur aussi dans ces thématiques-là. Bref, donc du coup, c'est vraiment particulier parce que vous savez, quand on est entrepreneur, souvent l'été,
genre juillet, août, on sait que c'est toujours beaucoup plus calme. Et il y a toujours quand même, malgré tout ça, malgré que chaque année, on sait que c'est la même chose, il y a toujours une partie de nous qui sommes un peu là en mode « Merde, il faut que je sorte des choses, il faut que je sorte des nouveaux projets, il faut… » Voilà, on est un petit peu dans cette pression-là, alors qu'on sait que c'est toujours une période un peu particulière. Et moi, cette année, je me suis dit « Ok, c'est l'occasion là de déjà de kiffer. » En plus, je vis dans un endroit vraiment absolument magnifique aussi. Vous aurez certainement le temps de voir des extraits là dans cette vidéo aussi. Et aussi de juste accepter aussi que c'est une période plus calme et donc d'en profiter pour travailler un petit peu plus, enfin créer un petit peu plus en coulisses aussi et vraiment aller à l'essentiel. Et je pense que, alors j'ai fait tout un épisode sur, autour de du fait de devenir mère, donc je ne vais pas me réétaler sur ce sujet-là ici maintenant, mais ça m'a vraiment permis de revenir à l'essentiel. Et donc même dans les projets, j'ai tendance moi à avoir énormément d'idées et à vouloir tout insérer le plus vite possible, comme s'il y avait un espèce de sentiment d'urgence. Et ça, évidemment, je le travaille beaucoup moi-même, on va dire dans l'accompagnement dans lequel je suis pour moi en fait en ce moment. Donc pour le moment, je suis suivie en somatic experiencing, et donc c'est hyper intéressant parce qu'on va vraiment libérer par le corps en fait au niveau somatique aussi les mémoires, les traumas, etc. Et donc c'est très très riche. Et donc bref, tout ça me ramène à l'essentiel et me fait prendre conscience que en fait je suis en sécurité. Même si c'est des périodes plus calmes, en fait, moi, ça m'invite à être vraiment dans ce kiff aussi, de faire des choses que j'aime. Et donc voilà, donc je vous emmènerai aussi probablement là dans ce vlog, dans si je récupère mon matériel de linogravure, vous montrer un petit peu aussi ce que je fais. Et donc voilà, mais donc du coup cet été va vraiment être consacré à la restructuration, à l'approfondissement des formations professionnelles, donc pour Flow Energy et Bloom Dance pour 2024. En fait, j'ai décidé de séparer en fait les deux méthodes qui sont pour moi pourtant, enfin qui sont extrêmement complémentaires et qui se ressemblent très fort, parce que les piliers de base sont les mêmes. Hein. Elles sont aussi construites autour des quatre éléments, autour de l'écoute de soi, de laisser faire le corps, de la fluidité et tout ça. Mais ça me paraissait plus intéressant aussi de les séparer et aussi de rendre plus accessibles, je pense, les formations. Donc voilà un petit peu le programme de cet été, d'améliorer le programme Deep Flow aussi. Ça va vraiment être, je vais ajouter des vidéos et moi je continue à étudier très fort. Enfin, cette année, je fais pas mal de formations. Alors sincèrement, il y a des formations qui sont incroyables et d'autres qui, en fait, j'apprends pas grand chose. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours eu tendance à beaucoup me former par moi-même, à beaucoup étudier par moi-même, à faire des recherches, à faire des lectures, parce que c'est comme ça que je fonctionne et j'ai pas envie d'attendre, entre guillemets, de trouver, parfois je ne trouve pas en fait ce que je cherche dans les formations, donc je préfère faire ma popote aussi sur le côté. Et donc j'alterne, j'essaie de trouver vraiment cette harmonie entre les deux aussi. Mais donc voilà, donc prendre le temps en tout cas de savourer, de kiffer, et aussi dans mon rôle de maman, parce que clairement ça prend depuis, ça fait Naël à 8 mois, au moment où je vous parle, on est début juillet, et c'est vrai que ça a pris beaucoup d'espace et j'étais dans beaucoup de résistance aussi au début. Et là, en fait, je kiffe et ça a été vraiment un renversement de vision et de vision, de perception de cette maternité entremêlée à l'entrepreneuriat et aux autres facettes aussi de moi-même. Et donc voilà, n'hésitez pas à écouter l'épisode du podcast qui s'appelle « Devenir mère », parce que j'en parle beaucoup plus en détail là-dedans. Mais donc voilà, donc je me réjouis. Là, c'est un peu une introduction, je pars dans tous les sens et ça va être un petit peu peut-être partir un peu en cacahuète de temps en temps dans ces vlogs, parce que c'est qui je suis aussi, parce que je suis multi-passionnée, parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Mais en tout cas, je me réjouis vraiment de vous emmener comme ça au fil des mois et de vous partager évidemment différentes thématiques aussi. Et donc voilà, très heureuse de commencer tout ça avec vous. Ok les amis, on est le 6 juillet là. J'ai vraiment du mal à bosser en ce moment, franchement, avec les énergies de l'été et tout. Alors j'ai oublié mon micro, donc je ne vais pas parler trop longtemps ici. Mais voilà, là j'ai emmené mon petit Ouistiti à l'arrière là dans le sac de rando. Et on part se balader. Alors là je vais vous emmener, on n'est vraiment pas très loin de chez nous. En gros, on va voir les ruines de l'ancien village qui s'appelait... Enfin, là aujourd'hui c'est Demandol, mais avant ça s'appelait Ville, très original. Et donc voilà, je vous embarque pour vous montrer un petit peu
l'endroit absolument magnifique et les ruines évidemment qu'on va aller voir aussi et voir un petit peu la diversité des paysages ici qui est assez magnifique. Donc voilà, c'est parti, on y va. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a plein d'éléments, mais donc voilà. Et je voulais vous faire un petit rappel au passage. Je sais pas si on va m'entendre, mais en tout cas, je teste de bouger. Franchement, bouger, même si vous êtes fatigué, même si voilà, peu importe. Quand en fait on est épuisé, quand il y a des douleurs, des tensions dans le corps, c'est parce qu'en général l'énergie stagne. Et je sais à quel point parfois c'est difficile. Même moi là, je suis épuisée parce que c'est des nuits de merde en ce moment. Que voilà, c'est très intense aussi. Et malgré tout, je trouve toujours le moment de bouger, même si c'est 10 minutes seulement par jour. Alors je bouge tout le temps parce que je n'arrête pas, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, vraiment, c'est cette pratique de mouvement. Je ne le répéterai jamais assez, cette énergie qui stagne, elle a besoin d'être mise en mouvement, donc vraiment, malgré ça, bouger, et ça ne doit pas être des longues séances, et ça ne doit pas être quelque chose d'intensif. Ça peut être juste déjà des quelques minutes par-ci par-là avec des mouvements très doux. C'est ce que je vous partage aussi évidemment dans le programme Deep Flow. Mais en tout cas, bougez parce que le mouvement, c'est la vie. Bon, on se retrouve ici dans mon jardin. On va essayer de parler sans être interrompu par le bruit des motos. On habite dans un endroit qui est quand même assez touristique. Et donc, l'été, surtout les week-ends, il y a pas mal de motos. Donc, c'est un petit peu le point négatif malgré la vue de dingue et l'environnement incroyable dans lequel on est. Bref, c'était le petit moment très intéressant. Alors, je voulais venir vous parler. Je suis vraiment en train là de travailler ces prochains jours uniquement sur la formation Flow Energy et Bloom Dance, et surtout là dans un premier temps sur le module plus théorique, on va dire, avec toutes les notions importantes à connaître en termes d'anatomie, d'énergie, d'émotion, les fascias, enfin voilà, toute cette partie là qui pour moi est hyper importante quand on va proposer un accompagnement à travers le mouvement, et bien de quand même avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement du corps, de nos systèmes aussi, du système nerveux, de tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'explore de manière beaucoup plus profonde là, dans les prochaines sessions de formation. Et je voulais venir un petit peu vous parler de la biotenségrité. Donc c'est un concept dont on entend de plus en plus parler, qui est un petit peu voilà, la révolution anatomique, on va dire aussi, du corps, du mouvement et autres. Et je trouve ça absolument fascinant. Et donc j'ai pris ce petit objet, d'ailleurs je l'ai volé à mon petit Naël d'amour, qui, je regarde, est toujours bien derrière moi. C'est vraiment souvent qu'on utilise souvent ce petit objet-là pour les enfants, tout simplement. Et du coup, ça représente tout à fait bien cette notion de tenségrité de base, hein, qui a été appliquée aux structures biologiques, en fait, par la suite. Et donc, on va pouvoir comprendre, et je vous montre ici, et c'est ça que je trouve fascinant, c'est la compréhension de... En fait, que tout est lié dans notre corps, et c'est pour ça que moi je vous propose à travers Flow Energy et Bloom Dance une approche holistique du mouvement, parce que vraiment tout est interconnecté. Et donc on voit ici par exemple, si, vous voyez, si je fais ceci, il y a toute la structure qui bouge en fait. Donc en fait, à chaque fois qu'on va venir hop, étirer ou compresser, c'est en fait inévitable. C'est toute la structure qui est engagée en fait et qui va se mettre en mouvement. Et donc voilà, c'est ce petit objet que je trouve absolument fascinant. Tiens, mon chat, je te le rends, même s'il est dans une période où il préfère jouer avec nos sandales que ses jouets. Mais donc voilà, c'est vraiment absolument fascinant de comprendre un petit peu que, encore une fois, on n'est plus sur une vision de le muscle isolé ou l'organe isolé ou une partie du corps isolé. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la vision de la médecine vraiment holistique, parce qu'on ne va pas juste aller dire « Ah tiens, il y a un problème au genou, je vais aller chez le médecin du genou », vous voyez. C'est, pour moi, ça n'a, enfin, personnellement en tout cas, ça n'a plus aucun sens. Les motos. S'il y a une douleur au genou,
ça peut venir d'ailleurs, et il y a vraiment cette notion d'aller prendre en compte tout le corps. Pareil pour les fascias, donc les fascias qui sont un petit peu tout cette espèce d'immense toile d'araignée, on pourrait dire, qui enveloppe. En fait, c'est quand même 20 kilos chez un adulte hein, de par rapport à notre poids total, donc c'est quand même énorme. Et du coup, ces fascias aussi sont finalement une enveloppe tenségre, on pourrait dire, qui compose hein, cette notion de tenségrité aussi, et qui vient vraiment maintenir notre structure. Et c'est vrai qu'avant, et ça je l'explique beaucoup plus profondément en formation, on pensait que c'était vraiment le squelette, hein, la structure, mais sans les fascias, parce que vous imaginez, ils enrobent vraiment tous ces tissus conjonctifs vont enrober nos muscles. En fait, on les retrouve de notre peau jusqu'au plus profond de notre corps aussi. Vous voyez, donc c'est vraiment des tissus qui sont présents partout. Et c'est vraiment notre plus grand organe sensoriel aussi. Ça, c'est absolument fascinant. Et donc, si on enlève le fascia, on s'écroule. On est une sorte de flaque de bouillie au sol. Donc, c'est vraiment important aussi. Et on sous-estime la prise en charge et le soin qu'on peut apporter à ces fascias aussi. Bref, n'hésitez pas, il y a un superbe reportage sur Arte. J'essaierai de vous mettre le lien ici en dessous qui va expliquer de manière beaucoup plus profonde tout ça aussi. Et je vous parle de tout ça juste pour comprendre à quel point, encore une fois, tout est connecté dans notre corps et cette importance du mouvement. Alors évidemment, vous allez dire, tu bosses là-dedans, donc c'est normal que tu prêches pour ça. Mais vraiment, pour prendre soin de manière holistique, on a les cœurs derrière, de notre corps et de manière complète et profonde, le mouvement est un des piliers qui est vraiment plus qu'essentiel pour justement aller travailler de manière globale et à la fois profonde aussi. Et c'est ça que moi j'aime aussi dans les méthodes que je propose où finalement on va impacter tous ces systèmes, que ce soit le système nerveux, le système lymphatique, le système digestif, hormonal, enfin bref, on vient travailler avec des mouvements qui sont en tout cas le plus possible adaptés à tout le monde aussi. Du coup, ça vient permettre justement de continuer à garder cette souplesse intérieure aussi. Et ça, c'est quand même assez magique aussi. Et puis, il y a Selina Wang, avec qui je vais me former d'ailleurs en fin d'année pour approfondir. Pour moi, c'est un petit peu la reine de la biotenségrité en francophonie, en tout cas, autour du mouvement, en tout cas. Et elle disait aussi que, je vous lis la phrase, « La biotenségrité nous montre que notre structure corporelle est sans cesse en mouvement, comme si nous flottions, en fait, au sein de notre corps. » Donc, c'est vraiment cette notion de, en fait, tout est constamment aussi en mouvement. Tout est interconnecté dans notre corps et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec, je reprends cet objet, où en fait, dès qu'il y a une infime partie qui bouge, eh bien forcément, ça va emmener toute la structure et c'est ça qui est absolument fascinant. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet ici, mais je voulais voilà, vous faire un petit moment ici dans ce vlog où voilà, je suis vraiment pour le moment, je voulais vous faire plus de vidéos là, la semaine qui est passée, puis en fait, j'ai été tellement très occupée aussi dans mon rôle de maman qui a pris beaucoup d'espace et là, je suis très heureuse d'approfondir tout ça. C'est vrai que moi, j'ai créé Flow Energy Bloom Dance de manière extrêmement intuitive. Et là, c'est comme si je continue à structurer de manière beaucoup plus précise et à approfondir un petit peu les notions qu'on aborde dedans aussi. Et c'est vrai que j'ai fait un petit sondage d'ailleurs sur Insta pour voir si ça vous intéressait. Puisque en 2024, je vais scinder Flow Energy et Bloom Dance en termes de formation. Mais le tronc commun en termes de théorie restera le même. Et ce tronc commun sera une sorte de module prérequis, on va dire. Et ce module prérequis où j'aborde justement toutes ces notions beaucoup plus en profondeur, que ce soit au niveau de l'anatomie, de l'émotion, de l'énergie, des chakras, du système nerveux et tout ça, eh bien, tout ça sera dans un module prérequis qui sera aussi accessible, même si vous ne désirez pas faire les formations de Flow Energy ou Bloom Dance, mais juste acquérir ces outils et ces connaissances en termes d'anatomie, du corps, du mouvement, ce qui peut être très enrichissant aussi pour vous, pour vos propres connaissances, si vous êtes dans ce domaine-là ou pas même. Donc, voilà. Ok, les amis, alors, petit morceau du vlog qui n'était pas du tout prévu. C'est complètement improvisé, je suis là avec mes cheveux en pétard, ma tête de muffin écrabouillée. Après avoir vécu un gros flot d'émotions, et c'est parfait parce que je voulais vous reparler de la colère en fait dans ce vlog, et j'adore la perfection de la vie où tout se met en fait au bon moment. Et je m'étais dit, ah tiens, comment je vais aborder ça? Ben, c'est très bien, la vie est venue me proposer une expérience qui va me permettre de pouvoir illustrer
Et vous reparlez de la colère, qui est une émotion extrêmement intense dont on a souvent peur et qu'on va énormément garder en soi. En fait, cette énergie qui est très intense va venir nous ronger littéralement de l'intérieur, hein, c'est vraiment ça, si elle n'est pas pleinement vécue et libérée. Et donc, là, moi, j'ai fait tout ce processus et je ne pourrais plus faire sans, en fait. C'est devenu tellement vital et tellement un réflexe maintenant de processer la colère, alors qu'avant, je ne l'exprimais pas du tout. Et je ne sais pas comment j'ai fait, en fait. Et je crois qu'encore aujourd'hui, la vie m'amène des expériences pour aller libérer cette colère clairement accumulée depuis certainement mon enfance. Et donc voilà, c'est important pour moi de venir vous parler de cette émotion. Vous savez que j'en parle quand même souvent. C'est une émotion qui, évidemment, je vous en parle parce que c'est une émotion qui est importante et je pense qu'il y a tout à fait sa place, autant que la joie et la gratitude, oui. Et parce que moi aussi, personnellement, c'est un énorme chemin pour moi d'aller transcender, d'aller vivre et d'exprimer pleinement cette colère, en fait. Qui est accumulée dans mon petit body depuis beaucoup trop longtemps. Donc voilà, en gros, pour vous résumer, parce que je ne vais pas vous raconter ma life, mais j'ai vraiment... en fait, là, j'ai eu ce soir... en fait, aujourd'hui, Naël a très peu dormi. Vraiment. C'est pas un gros dormeur. Loin de là, c'est pas un bébé qui dort beaucoup. C'est un bébé qui est extrêmement éveillé aussi. Et voilà, c'est autant... Bon, il fait ses nuits, hein, on va dire, mais c'est vrai que la journée, il dort très très peu. Il y a des jours où voilà, ça me dérange pas trop, et puis il y a des jours où j'arrive pas, en fait, où ça m'épuise, et en fait on voit qu'il est épuisé, et en fait des fois c'est pas facile de comprendre ce qu'un bébé veut, de comprendre ses besoins. Et là, en fait, j'étais toute seule parce que mon chéri était parti faire du sport, et c'est vrai que je l'ai allaité et puis je savais plus. Je l'ai bercé et je voyais qu'il était épuisé, il luttait, puis il rouspétait. Donc je lui ai redonné ça en me disant il a peut-être pas assez, bref, et puis je l'ai rebercé, il s'est endormi, je l'ai déposé dans son lit et 3 minutes après il s'est réveillé en pleurant. Et en fait il a fait que pleurer, donc bref, pour comme ça vous situer un petit peu. Et moi c'est venu, avec l'épuisement, la fatigue l'a accumulé, c'est venu vraiment me taper sur le système, très franchement. Et j'ai senti une colère monter et je sentais que ça... Voilà, j'avais juste envie d'aller taper dans des coussins, quoi. Et donc évidemment, au moment où il s'est endormi, les 3 minutes, ça m'a permis d'aller justement libérer la colère. Alors, il y a plusieurs techniques que moi j'utilise, hein. Il y a vraiment le shaking. Donc, je vais vraiment secouer mon corps et je vais vraiment faire des mouvements vers le bas. Et ça, j'en propose plein d'exercices dans Deep Flow, dans le programme Deep Flow, pour chaque émotion, enfin en tout cas les émotions de base. Je vous propose vraiment des mouvements qui permettent de libérer... les émotions de manière, enfin à travers le mouvement. J'ai crié, alors sans la voix, mais vraiment juste à venir sortir l'énergie, ça c'est très efficace. J'ai tordu en torchon aussi. En fait, je devais faire des choses évidemment là qui étaient silencieuses, donc j'ai un petit peu adapté par rapport à ce que je fais d'habitude. Et vraiment beaucoup secouer le corps, beaucoup balancer et tout. Et ça m'a fait du bien, puis j'ai, voilà, évidemment tout est sorti, j'ai beaucoup beaucoup pleuré. Toute cette énergie, parce que c'est ça, en fait, il ne faut pas oublier que une émotion, c'est de l'énergie, d'accord? Et donc, quand on a cette colère en nous, vous pouvez le sentir. L'énergie, ça paraît encore abstrait pour certains, mais en fait, c'est tellement concret, on le sent. Et quand on sent cette colère, on sent que, voilà, on peut le sentir à différents endroits dans le corps aussi. Mais en tout cas, on sent que ça nous consume un petit peu, ça nous brûle un petit peu de l'intérieur. Et donc voilà, c'est vraiment une énergie qui a besoin d'être évacuée, d'être mise en circulation et d'être libérée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors évidemment, il y a plusieurs messages derrière la colère, hein, j'explique souvent aussi. Il y a le dictionnaire des émotions d'ailleurs dans le programme Deep Flow aussi, pareil. Il y a soit quelqu'un va à l'encontre d'une de nos valeurs. Il y a aussi toujours cette notion de poser ses limites aussi, parce que quelqu'un essaie de prendre le pouvoir sur moi, donc il y a cette notion-là aussi. Et donc c'est, en fait, c'est, et alors je vais vous donner quand même la troisième signification ici, c'est non merci, genre non en fait, je peux pas là. Moi c'était vraiment ça, là c'était je n'en peux plus, là j'ai juste envie d'être toute seule et d'avoir ce moment-là de tranquillité. Et donc voilà, il y a ces trois niveaux de messages en fait, et c'est beau. Parce que la colère, elle nous ramène à nous-mêmes, en fait. Et moi, je trouve que c'est une émotion magnifique, même si elle est extrêmement challengeante, déroutante, inconfortable et vraiment
puissante en fait, parce que ça vient aussi, je trouve, réveiller une certaine, ça peut même aller jusqu'à la rage aussi, qui est encore une émotion encore plus intense, je trouve, et ça vient réveiller aussi parfois une sorte de violence en nous, et on est des êtres humains et on a tous ces parts-là en fait, et je pense que c'est ça qui nous fait peur, de où, qu'est-ce qui pourrait se passer si vraiment je libérais et je me laissais traverser par cette énergie et cette émotion qu'est la colère. Et c'est là où beaucoup de personnes ont peur d'elles-mêmes et de leurs propres réactions. Et c'est vrai que, enfin voilà, je ne me suis pas filmée parce que je trouve que c'était un moment intime et j'avais envie d'être toute seule. Mais en tout cas, le fait de vraiment, en tout cas, c'est clair que moi, quand je vais libérer la colère, tous les mouvements que je pratique et autres, si je faisais ça devant des gens, ils me diraient « mais elle est complètement tarée, celle-là ». Et c'est pour ça aussi, il y a tous ces conditionnements qu'on a dans la société, de se dire « ouais, mais attends, il faut rester correct, il faut rester positif, souriant, il faut canaliser ses émotions, il faut gérer ses émotions ». Et moi, j'ai envie de vous dire « bordel, allez-y ». Et on n'est pas obligé de faire un cinéma et tout un cirque dans la rue devant tout le monde, c'est pas du tout ça que je dis, mais on peut s'extraire à un moment donné dans un espace seul pour aller vivre cette énergie, cette émotion intense. Donc voilà, et c'est beau parce que ça, je trouve que ça ramène à nous, et moi là, évidemment, bon, mon chéri est rentré, il m'a vu dans tous mes états. Lui, ça lui a fait du bien parce qu'il venait justement d'aller décharger aussi toute son énergie, et donc il a pris le relais, il m'a dit « va dans le jardin, va prendre un moment pour toi au soleil », et c'est ce que j'ai fait, et en fait, Mon instinctivement, ben je sais que la musique me régule beaucoup aussi au niveau du système nerveux, au niveau émotionnel. Et donc au début, j'étais tellement épuisée parce que en fait, je le vis souvent, des grosses colères comme ça, je le vis souvent comme un soin énergétique, vraiment. Et après, je sens que je suis épuisée, que mon corps est... Il y a vraiment... Mais il y a en fait une sorte d'apaisement qui se crée aussi. Et c'est ça aussi qui se passe quand on libère une émotion. Il y a quelque chose, il y a une détente qui s'installe dans le corps en fait. Et donc, j'ai commencé... En fait, je me suis mise dans le transat avec la musique. Et je me suis dit, ok, je prends mes deux musiques préférées que j'adore dans Bloom Dance, quand je fais de la danse libre, qui vont me réancrer. C'est vraiment des musiques de terre. Là, on travaille vraiment avec l'élément de la terre. Parce que donc si vous ne connaissez pas Bloom Dance, c'est une méthode de danse libre et intuitive à travers laquelle on va travailler avec les quatre éléments. Et je sais que en tout cas, moi je conseille souvent après une grosse colère comme ça où on a été dans le feu à fond les ballons, je propose toujours de revenir dans la terre pour se réancrer après avoir c'est souvent des moments très intenses quand on vit la colère. Et donc je parle comme une Italienne avec mes mains en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, et donc, du coup, j'ai écouté ces musiques et directement, mon intuition, mon corps m'a dit « va danser ». Donc, je me suis dit au début « ouais, bon, est-ce que les voisins me regardent ?» Vous savez, même moi qui ai vraiment l'habitude de ça, comme je suis dans un nouvel environnement, c'est comme si je n'étais pas encore tout à fait non plus en pleine sécurité, comme ça, je ne sais pas comment expliquer. Puis je me suis dit « bon, on s'en fout complètement, j'ai besoin de ça, je vais incarner le message que je porte au monde aussi ». Et donc j'ai commencé à danser sur ma terrasse, sur ces deux musiques. Donc il y a, je vous mettrai les titres, il y a Blood Flow évidemment, et The Grand Brothers, et l'autre c'est Down, je ne sais même pas sûr que je prononce correctement, de Niklas, je ne sais plus. Je vous mettrai les deux chansons là, qui apparaîtront ici à l'écran aussi. Et j'ai dansé face, en plus, bon j'avoue on a une vue de dingue ici, gratitude de dingue. J'ai dansé face au coucher du soleil avec le lac. Les montagnes, donc c'est juste incroyable. Et j'ai senti la joie qui remontait en fait, et l'ancrage et mon corps qui, les cellules qui pétillent à nouveau. Donc vraiment, je vous invite à aller vivre profondément cette colère parce qu'elle n'est pas là pour rien. Et surtout, n'hésitez pas à voir tout le travail du docteur Sano, si je ne me trompe pas, vraiment mémoire de Dory pour ceux qui me connaissent. En tout cas non, mémoire sélective. J'arrête de dire que j'ai une mauvaise mémoire, j'ai une mémoire très sélective. Je pense que je prends l'utile, le très utile, et je laisse le reste. John Sarno ou un truc comme ça, bref, je vous mettrai aussi le lien, qui parle justement à quel point cette colère et cette rage, parce que moi je sais que j'ai encore pas mal de rage,
on va dire, qui est accumulée dans mon corps aussi d'il y a très longtemps, à quel point elle peut venir générer énormément de problèmes de santé. Et moi, je suis convaincue aujourd'hui, de par mon parcours et mon expérience et les personnes que j'accompagne, que... Alors, c'est un très long process. Hein. Vous savez bien que je déteste vendre du rêve. C'est un long process d'aller vraiment libérer tout ça. Mais en tout cas, c'est possible. Et en fait... C'est magnifique d'aller faire ce process aussi et c'est important parce que vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes de manifestations de symptômes physiques sont souvent, docteur Gabor Maté en parle beaucoup aussi, hein, sont souvent comment dire, des conséquences de d'émotions non vécues et autres. Alors il y a plein d'autres facteurs derrière évidemment, mais voilà, déjà pas mal d'infos ici que je voulais vous partager autour de la colère et... Je suis, voilà, là ça va beaucoup mieux, je sens que voilà, je suis redescendue, je me sens beaucoup plus apaisée, je me sens réancrée aussi. Et je pense que j'avais besoin de vivre cette expérience pour venir vous en parler de manière très brute, c'est pas du tout prévu aujourd'hui. Mais voilà, vivez la colère, vraiment les amis, mais allez-y, on s'en fout de la vision, comment dire, du jugement et du regard des autres. Allez vivre la colère en tout cas dans votre coin. Dans un espace où vous vous sentez en sécurité aussi, parce que je sais que ça peut être très insécurisant aussi, parce que vraiment, comme je vous dis, c'est une énergie, vous le sentez, hein, qui est très puissante et qui a besoin d'être libérée, sinon elle nous ronge littéralement de l'intérieur. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager, je suis contente d'avoir vécu ça, parce que c'est un message important que j'aime répéter régulièrement aussi sur les réseaux sociaux autour de cette émotion. Malheureusement qui est encore mal aimée, on va dire, et pourtant qui a sa place parce que elle nous ramène vraiment au cœur de nous-mêmes et ça c'est absolument magnifique. Toutes les émotions sont utiles, elles sont pas toutes confortables, ça c'est sûr, mais elles sont jamais là contre nous, comme la vie n'est jamais contre nous d'ailleurs. Je pense profondément que le regard que nous posons sur la vie et sur nous-mêmes change tout. Notre façon de danser avec elle, de nous laisser traverser, de vibrer, de nous laisser guider. Rien n'est permanent, tout est mouvement. Il y a les doutes, les peurs et l'ombre. Il y a ces parts auxquelles nous résistons encore parfois. Il y a ces instincts plus forts que tout, ces désirs foudroyants, ces évidences. Il y a l'océan de tous les possibles, cette vaste étendue qui n'attend que nous. Il y a ces cycles, ces saisons intérieures, au cœur desquelles tout se transforme. Et tout se repose. Il y a ces envies cachées, ces rêves oubliés qui ne demandent qu'à être révélés. Et puis il y a surtout la vie dans laquelle se déposer et plonger tout entier. Ok les amis, on clôture ce vlog dans un petit bordel intergalactique, mais c'est pas grave, c'est la vraie vie, j'ai absolument pas le temps de tout ranger. Donc voilà, je vous ai tourné cette vidéo, c'est la troisième fois, c'était complètement galère, donc je me suis dit je vais me poser ici à l'intérieur, comme ça j'ai pas le bruit externe, et c'est très bien comme ça. J'espère que ça vous a plu en tout cas de ce nouveau format que je vous propose. Moi en tout cas je me suis éclatée, je me suis régalée. À vous proposer cette vidéo, à mélanger un petit peu finalement pas mal de facettes de moi aussi et j'ai voulu vraiment que ces vlogs soient tout en mouvement, qu'il y ait un certain dynamisme aussi et en même temps que ce soit très spontané puisque vous avez vu qu'il y a beaucoup de partages que je vous ai fait de manière vraiment, voilà, c'était pas spécialement prévu et je me laisse toujours porter très fort par le flow où je prévois quelques thématiques dans les vlogs et finalement c'est pas spécialement ça qui se met en place et c'est génial. Donc voilà, je vous avais dit d'ailleurs en début de vlog, je pense, que j'allais vous partager un petit peu mon organisation de maman entrepreneur, etc. Sauf que ça a été tellement le chaos que je me suis dit ça sert à rien que je vous partage ça maintenant. Je pense qu'il y aura une structure bien plus claire à partir du mois de septembre où Naël, on a trouvé une solution de garde 3 jours semaine, donc ce sera un bon équilibre, je pense. Et donc je pense qu'à ce moment-là, ce sera mieux, voilà, de vous proposer un petit peu mon organisation, enfin notre organisation. Voilà, ce sera mieux. Alors c'est clair que je clôture ce vlog là. On est le 29 juillet.
Ce mois de juillet était extrêmement, extrêmement intense. Vraiment, on a le soleil qui nous accompagne pour la fin ici. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Évidemment, cette vidéo sortira au mois d'août, donc tout peut changer. On sait très bien que les énergies shiftent beaucoup. Mais je sais que ça a été le cas pour beaucoup de personnes où on avait plus la sensation d'avoir envie d'hiberner, de rester très à l'intérieur plutôt que d'aller vers l'extérieur avec ces énergies d'été habituelles, évidemment. Bon, je me suis déplacée parce que quand même, on aime beaucoup le soleil, mais là, je ne voyais plus rien. Donc, je disais qu'il y a vraiment... pour beaucoup de personnes, il y a eu cette sensation d'avoir vraiment envie d'être au calme, d'être un petit peu dans sa grotte aussi durant tout le mois de juillet, d'avoir peut-être cette sensation que wow, c'était un mois qui était vraiment intense au niveau énergétique. Alors, que vous y croyez ou non, c'est clair que si vous connaissez tout ce qui se passe au niveau astrologique, planétaire, des énergies collectives, ça a bien remué en ce mois de juillet. Et je pense que ce mouvement était surtout intérieur parce que malgré cette saison de l'été, on est vraiment dans le feu, dans quelque chose normalement qui est très, à la fois dans l'action, mais aussi dans beaucoup de repos, puisqu'il y a cette énergie de l'été aussi qui est là. Eh bien, on a pu ressentir aussi une sorte d'hiver aussi intérieur. Ça a été en tout cas ça a été le cas pardon pour pas mal de gens avec qui j'ai échangé aussi, et moi-même, où vraiment ce mois de juillet, il n'a pas été confortable vraiment. Et ça a beaucoup beaucoup bougé à l'intérieur aussi. Je pense qu'encore une fois, et j'aime bien rappeler ça. La vie, elle n'est pas contre nous. Et peut-être que je l'ai déjà dit dans le blog, si je me répète, si je radote comme une vieille grand-mère, vous m'excuserez. Mais voilà, elle n'est jamais contre nous, la vie. Vraiment, elle est toujours avec nous. Et quand on vit ces moments comme ça de transformation intérieure, ces moments de doute, de déconstruction, de nettoyage, on va dire, intérieur aussi, eh bien souvent, c'est pour nous accompagner à aller là où on a vraiment envie d'aller, à être qui on est vraiment et à apprendre à nous connaître un peu plus. Et je pense que c'est un des outils... les plus merveilleux que d'apprendre à se connaître aussi. Et donc voilà, on verra comment sera le mois d'août, hein, puisque je vous prépare évidemment un vlog aussi pour ce mois-là. Je vous embarquerai dans les coulisses des formations Flow Energy et Bloom Dance. Si je n'oublie pas de filmer, parce que je suis tellement à fond dedans en général que j'oublie souvent de faire des vidéos. Et puis, j'avais très envie aussi de vous partager dans cette dernière partie du vlog un message qui me tient à cœur. C'est vraiment important de le rappeler. Je vous le rappelle souvent sur les réseaux, mais que le chemin de la guérison, de la transformation, de la libération, vous appelez ça comme vous voulez, c'est un chemin, comme je viens de le dire. C'est un chemin peut-être de toute une vie. Et en fait, la guérison, elle se fait pour moi par couches. C'est vraiment des fines couches qu'on va venir enlever, un petit peu comme les pelures de l'oignon. Vous savez, on prend souvent cet exemple-là. Et on va enlever vraiment une couche à la fois. Et c'est OK parfois d'avoir des couches qui s'enlèvent moins vite ou moins facilement que d'autres, ou des couches qui ne veulent pas s'enlever. Enfin, vous voyez un petit peu cette image-là que je vous partage. Et c'est important aussi d'être dans cette douceur avec soi et d'avancer à son rythme et de faire du mieux qu'on peut. Moi, j'ai eu récemment, je ne vais pas vous raconter ma life, mais j'ai eu récemment une prise de sang, les résultats d'une prise de sang assez mauvaise. Je suis à nouveau en hypothyroïdie avec la grossesse plus l'allaitement, alors que c'était déjà assez fragile. J'avais déjà un terrain quand même qui reste sensible, on va dire. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, mais c'est pas possible. Et en même temps, tout est parfait parce qu'il y a des modifications que je devais faire dans mon alimentation et autres que je n'arrivais pas à mettre en place jusqu'à présent. Et là, ça a été un énorme déclic et je pense que j'avais besoin de ça pour pouvoir vraiment générer ces changements que j'aurais dû faire il y a 2 ans déjà. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de faire un vlog trop long et plonger dans ce sujet-là. Peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ça prend du temps. Et que ça se fait petit à petit, étape par étape. Et que, en fait, à chaque étape de ce chemin, on apprend, on grandit, on évolue, on vit tout simplement et on assimile beaucoup de choses. Et il ne faut pas sous-estimer aussi. Et pour moi, en tout cas, enfin, moi, je dis toujours qu'on ne recule jamais. On est toujours en train d'avancer. Peut-être que parfois, on avance plus lentement. Peut-être que parfois, on a besoin de plusieurs leçons. En fait, la vie, de toute façon, elle va tout le temps nous ramener ces expériences, ces scènes de vie, ces scénarios, comme j'aime bien dire, plusieurs fois, peut-être plusieurs fois les mêmes, on va avoir besoin de vivre de nombreuses fois la même chose avant de vraiment
l'intégrer dans notre structure, en fait, vous voyez, vraiment dans notre système, hein, de fonctionnement, et c'est OK, en fait. Sinon, ce serait trop simple, évidemment. Non, mais voilà, je ne dis pas c'est compliqué, mais c'est vraiment une marche, en fait, même. J'en ai parlé dans une vidéo que j'avais faite il y a quelques années, où c'est vraiment pas une course, en fait, c'est vraiment une marche. Et tout ça m'amène à vous reparler à nouveau aussi de cette thématique si importante et si chère à mon cœur, qui est de faire confiance, de vivre le flow et de lâcher, de laisser faire. Ça ne veut pas dire que je ne passe pas à l'action, je précise, hein. Ça ne veut pas dire que je vais m'allonger en étoile de mer toute ma vie, mais en tout cas, ça veut dire que plus on résiste, plus ça va être douloureux, plus ça va faire mal, plus ça va être désagréable, en fait. Et je l'ai encore vécu, moi, parce que voilà, le mois de juillet, j'avais fait mon planning au niveau pro, qui a été complètement chamboulé, évidemment. Puis là, en fait, à l'heure où je vous fais cette vidéo, dans 2 jours, je donne formation. Et en fait, j'ai eu très peu de temps pour travailler. Je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Et je me suis mis beaucoup de pression à nouveau parce que je suis en train de restructurer aussi les formations. Et en fait, voilà, je me suis dit, mais je ne peux pas tout faire là maintenant. En fait, tout ce que j'ai en tête, c'est impossible. Et donc, j'ai lâché. Et je me suis offert des jours de congé, de repos, de kiffance. Et en fait, ça a été le plus beau cadeau que je me suis offert. Et en fait, j'ai eu plein de choses qui se sont dénouées, du coup. Et à chaque fois, on en parle beaucoup avec certains amis, où on se dit, à chaque fois, on se fait la réflexion de se dire, mais quand on lâche, oh, c'est beau ce qui se passe. Quand on lâche, il y a vraiment de la magie qui se crée. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à ça. Alors, ce n'est pas toujours facile. On n'y arrive pas toujours. Et encore une fois, on n'est pas du tout là pour être parfait. On est là juste pour expérimenter et faire de notre mieux. Mais en tout cas, quand vous sentez que vous êtes dans la résistance, et ça se sent parce qu'on est là à l'intérieur, il y a quelque chose qui est vraiment très contracté, qui est très crispé aussi. Moi, je le sens direct dans mon corps quand je suis dans la résistance et je suis épuisée. Vous voyez, il y a cette fatigue là aussi de résistance en fait qui est présente. Essayez en tout cas de faire de votre mieux pour aller à l'écoute du corps. Alors, ça demande évidemment tout un chemin. Moi, j'étais complètement déconnectée de mon corps avant. Vraiment, j'étais vraiment là, coupée, et j'étais vraiment dans la tête. Donc, ça demande évidemment un réapprentissage. Et moi, enfin, en tout cas, pour ma part, le chemin, ça a été vraiment le mouvement. Et c'est ce que je vous propose énormément dans Flow Energy et Bloom Dance. C'est pas juste du mouvement, c'est vraiment des méthodes qui viennent nous reconnecter à nous-mêmes et qui nous offrent cette opportunité de venir nous connaître un peu plus et de vraiment accepter comment on fonctionne et d'apprendre aussi de voir comment on fonctionne de manière individuelle parce qu'on est tous hyper méga différents et uniques. Et donc, je pense que c'est une clé qui est vraiment importante. Donc voilà, lâchez et surtout kiffez, kiffez, kiffez. Là, je me suis retrouvée là un soir, cette semaine, avec une pote au milieu d'un concert sur la place du village. Et c'était fabuleux, peut-être que vous l'avez vu passer dans les stories. Et je me suis dit, mais putain, c'est ça la vie, quoi. C'est ça la vie. Et c'était beau. Ça, moi, ça m'a vraiment ramenée dans... punaise, mais on est là pour savourer ce grand buffet de la vie, comme une amie dirait aussi. Et donc, j'ai vraiment envie de vous inviter à ça, à kiffer, à profiter et à lâcher un petit peu cette course effrénée aussi, ce mode de vie. Et vous allez voir, j'ai vraiment vous emmener là. On est encore, nous, en transition. On est toujours dans notre appart, là. Et notre maison, voilà, on y sera dans le courant du mois d'octobre. Et je vais vraiment vous emmener, je pense, dans un mode de vie encore différent. Et j'ai hâte, en tout cas, de vous emmener dans tout ça. Et de continuer à nourrir cette vision aussi de là où vous avez envie d'aller, de ce que vous avez envie de créer aussi, parce que je suis convaincue que c'est extrêmement riche aussi et puissant, tout en passant à l'action, évidemment. Moi, je pense que c'est toujours cette valse, cette danse et cette harmonie entre je vais visualiser, je vais y croire, je vais le ressentir dans toutes mes cellules, et en même temps je pose des actions pour pouvoir atteindre ce que j'ai envie de créer, en fait, tout simplement. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous partager là dans ce vlog. En tout cas, c'était vraiment plein de sujets. On a abordé plein de thématiques ce mois-ci. Il y en aura certainement plein d'autres au mois d'août aussi. N'hésitez pas à me faire vos partages aussi, à me partager, à rebondir sur certains sujets ou autres. Voilà, je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que je pense que ce vlog va être assez long. Mais c'est mon intention, c'est mon envie là de recréer un contenu long.
de vous inviter à vous poser, à vraiment vous installer et à, qu'on puisse voilà, partager ce moment ensemble aussi. Ce sera qu'une fois par mois, donc vous pouvez tout à fait aussi, évidemment, vous faites ce que vous voulez, la regarder en plusieurs fois. Et puis, petite information aussi, je lance les inscriptions pour les formations Flow Energy et Bloom Dance à partir du mois de septembre 2023 pour les sessions 2024. Mais n'hésitez pas à déjà nous envoyer un petit mail si vous êtes intéressé et on vous inscrira évidemment sur la liste d'attente et pour avoir accès justement en priorité puisque les places sont limitées. Ça, je garde et j'y tiens parce que pour moi, c'est important qu'on soit dans des groupes qui soient assez cocooning et petits pour que ça reste familial et que puis en fait, il se passe tellement de choses dans ces formations au niveau émotionnel, énergétique que je ne me vois pas du tout avoir des gros groupes. Donc voilà. Et bien, sur ce, je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout déjà. Bravo à vous. Et puis, c'était un plaisir de partager tout ça, de vous emmener aussi dans mon quotidien. Et puis, bon, on se retrouve évidemment au mois d'août pour la prochaine vidéo. Peut-être même, elle sortira évidemment début septembre. Je verrai un petit peu comment on s'organise. Et puis, n'hésitez pas si vous avez envie d'aborder, que j'aborde certaines thématiques aussi ou autres. Ce sera un plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Kiffez, franchement. Laissez-vous traverser par le flot de la vie au maximum. Si vous aurez encore des phases de résistance, j'en ai encore, je suis vraiment loin d'être parfaite. Mais en tout cas, soyez attentifs à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vivez les émotions, tout ce que je vous ai partagé par rapport à la colère, toute cette interaction, ces interactions qui sont là dans notre corps sont tellement incroyables. Donc, tout est connecté, tout est lié. Et donc, allez vraiment mettre ce mouvement dans chacune de vos cellules. Je vous embrasse très fort et on se dit à très vite.